Je suis pas certaine que vous me voyez bien là. Bon, je sais pas. Salut à tous. Alors, je vous ai quitté hier dans mon lit complètement chaos technique. Quels sont mes ressentis aujourd'hui? Alors, cette nuit, j'ai eu mal, enfin, même hier soir, un peu dans l'œil, au fond de l'œil, ce qui est drôle parce qu'il m'avait dit de faire attention à mes yeux. Et aussi, j'ai une douleur là, ça c'est depuis ce matin au niveau de l'aine, donc en bas du ventre. Une aiguille, une sensation d'aiguille. Donc, je crois que c'est aussi normal, visiblement, de ressentir des maux comme ça après une séance. Peut-être que c'est tout qui se réactive, je ne sais pas, je ne m'y connais pas vraiment. On fera le bilan de toute façon ensemble. Aujourd'hui, donc là je suis pas en avance, hein, j'ai pas mal bossé, donc notamment sur mon vlog, sur d'autres choses. Quelqu'un est passé, enfin, on a quelqu'un qui est passé ce matin. Et j'ai peut-être une amie qui va venir, j'aimerais bien. Ça serait cool si on pouvait se voir. Elle était malade la semaine dernière, donc c'était pas possible. Et voilà, donc là je vais manger parce que je vous dis, je suis pas en avance. J'ai acheté un pomelo, je crois que c'est comme ça qu'on dit, c'est un petit peu comme un pamplemousse. C'est entre le pamplemousse et, je sais pas, l'orange peut-être. Pareil, des avocats, je suis déçue à chaque fois, je les achète, ceux-là, je connais plus trop la provenance, mais je me fais avoir. C'est pas terrible, je vais quand même le tester celui-là. Non, t'es sûr, tu vas pas me faire ça tous les jours quand même. Hein? Ils vont penser quoi après les gens de toi? Voilà, donc je vais séparer les petits morceaux de pamplemousse, je sais plus comment ça s'appelle, un peu de surimi des pommes, parce que j'ai testé hein, l'avocat, je comprends pourquoi il est en promo, genre un acheté, un offert, parce qu'il est vraiment pas bon. Vraiment pas bon. Hop, je vais me rajouter ça avec hein, une petite tranche de blanc ou de dinde et ça va être parfait. Ben oui. Faudrait que je te dise de descendre en fait. Ben oui. Je me suis changée. Bon, tout à l'heure, j'avais vraiment la tenue décontractée que je portais à la maison qui est super confort d'ailleurs. Ma copine, je crois que je connais pas ses horaires en fait. J'ai essayé de l'appeler et je crois qu'elle est encore au boulot. Bon, parce qu'il va falloir que j'y aille. Il est pas loin de 4 heures. Je dois aller faire des courses. Première nécessité, j'ai vraiment pas le choix et il est 4 heures et j'ai pas envie que. Enfin, passer une certaine heure, t'as tout le monde qui sort du boulot, ça va être bondé. Ouais, je voulais vous montrer, regardez. C'est une chaîne, une double chaîne que j'ai reçue dans My Little Box. À chaque fois, ils ont des goodies tellement mignons. C'est des constellations astrologiques, donc moi, c'est le signe Lion et ça rend bien, j'ai envie de la mettre aujourd'hui, même si on peut pas dire qu'on la voit beaucoup. Ce qui fait qu'on se donne rendez-vous à Leclerc. Et ben voilà! Là, je trouve qu'on se voit. Non, pas qu'on se voit. Je trouve qu'on voit que je suis bronzée. Ça ressort plus. Allez, go! L'ami qui devait passer, en fait, on s'est appelé. Donc, on est resté au téléphone hyper longtemps. Et bah, il y a Eric qui m'attend parce qu'il repart au boulot. Bref, il voulait son petit goûter. Donc, je me dépêche et je le retrouve. Tu reprends à quelle heure? Pardon? Ton conseil de classe, c'est à quelle heure? 18h20. Il est quoi? Ah, 17h. Oh, ça va! Tiens, hop. Tu choisis. Il y a soit celui-là. Celui-là, il a l'air bon. Ça te va ou pas? Bah, cache ta joie. Non, mais je sais pas à quel point. Je vous montre le butin un petit peu. Pareil, hein, comme d'hab, assez rapidement. J'ai pas du tout trié. Hein. Je continue ma série avec les soupes. Est-ce que j'aime ça tout simplement? Voilà, banane. Ça, c'est vraiment devenu le pain que j'utilise. Je dis que c'est du pain, mais voilà, c'est vraiment très très bon. Quand tu le scannes avec Yuka, mon indispensable qu'il faut chauffer, hein, sinon c'est pas bon. Si, ah oui, j'ai pris ça aussi comme soupe. En même temps, j'étais au téléphone, et quand tu fais tes courses et que tu es au téléphone, bah, tu mets un peu plein de trucs. Ça, parce que, bah, je sais pas, c'est pas bio du tout. Gnocchi à poêle épinard, ça me donnait envie, c'est assez étrange. Classique, ça c'est pour Eric. Et puis celle-ci aussi, regardez. Épeautre, ça doit être bon. Mon chabrou que je mange le matin, le goûter, le soir, j'adore. Ça, je vais ranger. Des petits haricots avec des champignons. Les quenelles, tu les fais, faut les faire dans le four, ça gonfle et c'est excellent. J'ai pris au brochet. Il y avait nature au brochet et c'est vrai que j'aime bien. Alors normalement, tu mets une sauce, mais. Moi, je les aime bien comme ça. J'ai repris mon eau micellaire qui est vraiment très très bien. Je l'ai utilisé tout le temps que j'étais partie d'ailleurs. Mandarine. Petit rasoir. Je suppose qu'il vale celui-là. Et mon americano parce que ça descend hyper vite. Donc voilà un petit peu pour mon retour de course. Regardez, je lui donne du goûter. Je viens de l'acheter. Hein. Non mais il a fracassé la moitié du gâteau, t'abuses? Non, 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 il n'y a pas. Il me fait genre, j'ai pris que ça. Non. Non.
Bon, c'est vrai que c'est pas épais, mais quand même. Et là, tu continues. J'adore quand mes corbeilles de fruits sont bien remplies, que t'as le choix sur pas mal de variétés. C'est cool. Là, je sens qu'il faut que je mange. D'ailleurs, je me suis pesée. Ça faisait un moment que je ne m'étais pas pesée. Et je suis à 48. Hein. J'ai encore maigri, en fait. Donc, il faut que je reprenne absolument. Soit je me fais ça au goûter chavroux, tartine, ou bien plus sucré avec banane, des amandes, des trucs comme ça. Je sais pas, peut-être une galette aussi comme ça. Mmh. Et bah au final, c'est banane et une petite galette. Voilà. Je vais me poser un peu. Bon courage, à tout à l'heure, mon chéri. À tout à l'heure, d'accord. Bisous. Et il s'en va à son conseil de classe. Moi, je vais en profiter pour m'avancer dans le montage de mon vlog. Alors, je vous explique. On est sur un 20h12 et je viens tout juste de raccrocher. Je suis restée 50 minutes au téléphone. Voilà. Mais j'ai quand même un peu avancé juste avant. Il y a Eric qui est rentré de son conseil de classe. Donc, bah, je vais descendre quand même faire à manger. Alors, je vais faire un petit avocat. C'est l'avocat de ce midi que moi j'aime pas trop. Je vais lui faire, il adore ça. Avec, on va faire quoi, papa? Des petits haricots, des champignons. C'est bien, c'est équilibré. Et un petit steak haché. Moi j'en veux pas. Non, je crois que je vais me faire une tartine ou un truc comme ça. Voilà. C'est le moment où je vais monter les 23h. Je vais faire un gros toto. Oh non, là, tu kiffes trop, là. Oh oui. Allez, Jack, on va au lit. Dépêche-toi. J'avais pas remonté mes produits. Il y a Jack, depuis tout à l'heure, qui fait des allées venues dans l'escalier à fond. Je sais pas, vous allez peut-être le voir. Regardez. Il me fait peur. Parce que... Oh. J'ai explosé mon truc. Il y en a partout? Oh là là, c'est mon homicellaire qui m'a glissé des mains. Alors voilà, j'ai pu sauver la moitié quand même, par contre c'est complètement explosé. C'est pas grave, je vais le transvaser dans l'eau de bouteille, il m'en restait un petit fond. Mais j'ai flippé quoi. Heureusement qu'il était pas en bas, Eric. Il aurait pu se le prendre sur la tête. J'en profitais donc sur ce joli moment pour vous faire un gros bisou et vous dire à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, salut.